Attention, messieurs, répétition. C'est Liliane, c'est ma femme. Ma secrétaire. Ah bah vous savez ce que vous voulez. Pour corrompre les hommes, on n'a rien trouvé de mieux encore que les femmes et l'argent. Vous faites pas partie de la brigade anti-gang au moins. C'est pourquoi. Écoutez-moi bien, vous m'avez invité à passer un week-end calme et détendu, ce sont vos propres mots. Je vais vous expliquer. Mais j'aimerais autant, c'est une fête locale. Non, sans peut-être des braconniers. Ou des braconniers au fusil mitrailleur. Je vous ai jamais vu, vous. Qui êtes-vous? Je suis votre amant, votre cousin, le jardinier, enfin ce que vous voulez, sauf un membre du gouvernement. Ici, nous avons un gangster agonisant, une cinquantaine de gendarmes, des journalistes, un fantôme, deux malades, mais pas de ministre. C'est-à-dire que la télévision, les ministres, c'est comme les chanteurs, on voit toujours les mêmes. Un peu d'imprévu. C'est pas le président de la République qui s'invite à dîner. Pourquoi ne pas dire à tout le monde que vous attendez un bébé? De qui, je ne sais pas, comment voulez-vous? C'est vrai, la médecine a fait des progrès, mais pas à ce point-là. Docteur, vous pensez vraiment qu'elle attend un bébé? Ben, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. C'est vrai, je suis pas une conne de bête. Vous avez un défaut, vous, dans la police, c'est que vous cherchez toujours la logique. Ben, un peu de fantaisie, que diable. Pas amusant, ça. Dans l'immobilier, il faut choisir où on dit la vérité, où on vend des appartements. Laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi seul. Alors, si je comprends bien, ma tour est foutue. Mais non, mais rien n'est jamais foutu, mon cher ami. Votre tour, je m'en fous. En cabane. En cabane, mais sous quelle inculpation? Promoteur immobilier. Dépêchez-vous. Ah, allez-y. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous trouvez que j'ai pas assez d'ennuis comme ça? Hein, vous voulez que je sois ridicule en plus? Ah, un fantôme. Je me disais aussi de regarder le fantôme pour ce soir, mais pas du tout. La situation est grave, mais pas désespérée. Un chèque, dans son sapeau de Noël. C'est pour qui ça? C'est pour Monsieur Midi. La situation est grave, mais pas désespérée. Je voudrais aller pleurer quelque part, tout seul.